mobilisation qui était faite pendant la semaine écoulée, de ces nouvelles actions syndicales nous dans le moment. Et la plateforme a profité en parlant de la CNIH, la FENATEC, le CONE, l'UNOYE et du JL. Féliciter tout enseignant dans 10 départements géographiques PIA pour la grève qui était fixée 14 février, 15 février, il est arrivé à respecter à la lettre. Plateforme n'a été levée, grève là pour un petit bout de temps. Plateforme n'a renouvelé, grève là pour mercredi 27 février, jeudi 28 février, et vendredi 1er mars, sous ensemble de points qui font partie des cahiers de revendication, nous, cahiers de charges, nous, cahiers de doléances, nous, qui joignent le gouvernement longtemps pour entrer dans le cadre de négociation avec nous, yo pas jamais arrivé à lancer négociation collective là. Son centre lutte pour améliorer la qualité éducation en Haïti. Parce que son nécessité que liée, et comme nous toujours disons, dans le cadre d'une campagne que nous avons menée pour l'éducation publique de qualité, l'éducation c'est clé développement, c'est clé pour ouvrir pas de business, qui pour ouvrir pas d'affaires dans le pays. Donc nous, même enseignants, nous avons revendiqué de meilleures conditions de travail pour nous gagner plus bon traitement. Et pour gagner plus bonnes conditions qui permettent aux élèves de travailler plus bien. Et nous prenons un simple exemple par rapport à la Caraïbe. Nous-mêmes, anciens Haïtiens qui sont dans la Caraïbe, et nous avons que Haïti a assuré la présidence CARICOM. Et nous pensons que maintenant, nous avons un sommet qui a fait là. Et le sommet, c'est sur marché, sur commerce, sur échange. Mais il y a une clé qui base pour faire échange, ça a bien fait. Il faut que les gens qui forment. Il faut que les gens qui bien préparé et les gens qui bien préparé ça formé a et l'État haïtien c'est pas acheter le acheter dans notre pays c'est propre petite terre haïtien qui pour bien former qui pour aller dans l'école de qualité qui pour faire vraiment répondre à la concurrence qui a bien faite dans Caraïbes là et ensuite et nous pensons que le fait que Haïti a pas assuré présidence CARICOM Haïti a pris le temps pour le garder système éducatif dans le pays CARICOM, comment vous traitez enseignants dans CARICOM. Parce que enseignants qui sont dans le pays, qui sont dans le CARICOM, si je prends Sainte-Lucie par exemple, vous payez professeurs, vous traitez professeurs en fonction de qualification et nombre d'années d'expérience. Et c'est un point que nous avons demandé, les professeurs ont un statut particulier. C'est pour traiter les professeurs parce que vous pensez qu'ils ont un niveau, mais en tant qu'enseignant pour qualification et pour année d'expérience. Donc c'est sans ça que nous avons lutté dans le cadre de revendication, de mobilisation pour vraiment changer les conditions de la vie enseignant et par-delà, changer et nous avons dit système éducatif là parce que l'ordre d'éducation de qualité parce que l'année a et le ministère de l'éducation nationale dit c'est virage vers la qualité n'a pas qu'à faire sans pas un enseignant de qualité parce que une des premières revendications c'est la formation des maîtres et puis tout et traitement j'ai traité enseignant parce que enseignant qui a un problème qui va motiver en difficulté qui va pas un enseignement de qualité et ça fait nous a formé avec tout professeur une chaîne de solidarité pour nous capable vraiment interpeller responsables à tous les niveaux et pas ministre de l'éducation nationale seulement président de la République premier ministre parce que c'est priorité gouvernement éducation puis prendre des vraies mesures pour porter solution à problèmes qui gagnent.